toi, t'as-tu accès à ça ou si c'est juste... C'est Francis, puis il est à Sainte-Martine. OK. Bon, OK. Pas grave, on va arranger de quoi. Fait qu'on va avoir nos loges, ces deux côtés ici. On divise les premières parties, deuxième partie. Fait qu'on a un groupe sur un côté, un groupe sur l'autre côté. OK. On a un espace en masse pour pouvoir tout localiser nos gens. Oui, absolument. Dans les vestiaires, ce qu'on fait, on installe des tables centrales, sofa, miroir pour le maquillage, pour cliquer sur tout ce qu'on a besoin. Sont à même les douches. Évidemment, on cache tout ce qui est, ça, ce qui est casier. Ça, c'est toujours Marie-Claude qui est Gendron qui va s'en occuper. Oui, c'est Marie-Claude Gendron qui s'occupe de recevoir tous les invités et les artistes au complet. C'est Marie-Claude qui contrôle les loges. Point à la ligne, c'est elle qui gère tout ce qui se passe dans les loges. On trouvait ça au début que c'était en vestiaire, c'était peut-être pas l'idéal pour des loges. Par contre, les commentaires que Marie-Claude a eu l'année passée avec les Cowboys fringants et avec les autres groupes qu'on a reçus, eux autres sont bien satisfaits de ça. Ils ont de l'espace en masse. Ils ont de l'espace à proximité de la scène. C'est ça, c'est intérieur. Ils sont, sont à même les douches, les toilettes privées de l'autre côté. Oui. Fait qu'ils ont vraiment tout ce qu'ils ont besoin. On a un plus pour ça, nous autres. C'est ça, on a de la place en masse pour recevoir nos deux groupes majeurs. Parfait. C'est-à-dire, en réalité, c'est un groupe majeur dans une. Dans un vestiaire et dans l'autre vestiaire, c'est le groupe de deuxième partie. Okay. Cette année, la particularité avec les groupes qu'on reçoit, on dévoilera pas qui, mais la programmation qui va être annoncée incessamment, mais vers la fin avril à peu près. Avril, On a plusieurs invités sur le même spectacle, des invités de renom. Alors, plutôt que on va utiliser probablement les loges intérieures pour le groupe de deuxième partie, le groupe de première partie, on va louer des loges extérieures. C'est une section de six loges, là, ce qu'on a discuté en réunion. Okay. Une section de six loges pour que chaque artiste qui participe au spectacle ait sa loge, puis ils vont être à même la scène, là, ils vont être situés juste en arrière de la scène. Chiquido. Fait que les loges se préparent ici. Puis on a toujours une bien bonne collaboration aussi du concierge de l'école. Avec le personnel de soutien de l'école de secondaire des Patriotes. Oui, ça, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Danny. C'est ça. Ouais, qui est allé, fait que, on a toujours une bonne collaboration avec Danny, puis avec Eric Saint-Mallet aussi. Avec, entre autres, le soir des Cowboys fringants, on a eu justement à se déplacer rapidement et l'équipe de sécurité que Martin s'occupait avait ce corridor-là qu'on priorisait pour carrément traverser la foule. Et il y avait aussi dans le deuxième gymnase un accès qui donnait un accès direct au centre de la foule. Fait que ça nous a permis justement de pouvoir se déployer rapidement dans le cas de sécurité ou de premier soin s'il y avait des urgences. Parce que lorsqu'on avait à aller ramasser les argents au niveau des bars, on s'apercevait qu'on avait un peu de misère à passer parce qu'évidemment, la foule était dense. Donc, on a eu le plan B qui s'est mis tout de suite en fonction de plus se promener dans la foule, mais bien de contourner. Puis ça, ça a été très, très fonctionnel. C'est l'avantage d'avoir accès à l'école par ici. Exact. On contourne. Ouais. La foule est située là. Ouais. Alors, on contourne complètement le site. On a des accès. On a On a des accès pour les gymnases, puis on a des accès du bout. Fait que, dans le pire, si jamais il arrive une urgence, quoi que ce soit, on est capable de rentrer avec nos équipes, puis on est capable d'intervenir. Mais voilà. C'est ça. Vois-tu, dans chacun des gymnases, on a des séries de portes. Fait qu'on a accès ici, exemple, on se trouverait à sortir à peu près, je te dirais, une trentaine de pieds en avant de la scène. Fait qu'à chaque gymnase, on a un accès dans le côté de la foule. Fait que c'est l'idéal. C'est vraiment nos accès d'urgence qui sont là, puis nos équipements qu'on peut avoir besoin éventuellement, qu'on peut stocker. C'est ça. Puis au niveau urgence, bien, si évidemment notre service de premier soin ou quoi que ce soit aurait besoin de se déployer, c'est sûr qu'ils ont l'infirmerie et le kit qu'on a
à l'arrière du terrain, mais à l'intérieur ici, si on a moins d'une place, on peut rentrer facilement les gens et les allonger là pour pouvoir justement les sortir de la zone chaude si jamais il arrive un événement quelconque. En tout cas, c'est juste d'être prêt au cas où, mais voilà. le plan fonctionne très bien. Oui, l'année passée, ça a été vraiment idéal. Surtout que les commentaires qu'on a eus aussi du public en général, c'était bien positif. Là, le site est vaste, il y a de la place pour circuler. Surtout, c'était l'an 1 pour nous ici l'année passée. Oui, ça. On a fait des ajustements. Oui, justement, la dernière minute, mais c'est sûr. Mais ouais, non, c'est, on a bien réussi et le site est propice à ça. C'est bon pour ça. Fait que, par ici, ben, là, on a l'accès principal là, pour nos artistes et Marie-Claude. Marie-Claude est la personne au niveau de la sécurité. On a quelqu'un de posté devant cette porte-là à l'extérieur en tout temps. Marie-Claude est la seule personne qui décide des accès qui se fait Martin, par là. Il va y avoir des gens désignés de sécurité qui vont justement bloquer les accès pour justement la demande de Marie-Claude, OK, tu laisses passer telle personne ou non. C'est ça. C'est sûr. Et tous ces gens-là, évidemment, sont identifiés. Avec les cocardes, exact. OK. Au niveau des gars. C'est beau. Ça va? Fait qu'on va aller voir la cafétéria. Bidou, oui, Bidou, oui. Il avait fait quelque chose de beau dans la même, ces années-là. Ah non, regarde. Tu sais, Claude, que c'est mon l'école de mon secondaire, c'est juste. Et... Je suis un finissant de 1980. C'est si longtemps que ça qu'un bon. Et voilà. j'ai même travaillé à cette cafétéria-là, moi, comme étudiant. Ah, c'est ouvert. Bonjour! Monsieur Beaulac, es-tu là? Non, il est pas là aujourd'hui. OK. On fait un tournage pour la fête des citoyens. Okay. C'est possible d'ouvrir la porte? On voudrait faire un plan de vue avec la cuisine aussi. Pis... Ah oui? OK. Fait que l'année passée, ce qu'on a fait pour les repas des bénévoles, on a encouragé, on a fait affaire avec nos food trucks qui étaient présents sur le site, Patate Mallette, pour avait des grillades. Alors, on est allé de ce côté-là pour les repas. Cette année, on a découvert, parce qu'il y a une portion qui était quand même faite par la cafétéria de l'école. Alors, cette année, ce qu'on a décidé de faire, on a pris une entente avec André Beaulac, qui est le concessionnaire de la cafétéria de l'école. Fait que tous les bénévoles vont venir manger ici, vraiment à l'extérieur du site, vraiment pouvoir décompresser. André va préparer nos repas, donc les repas du vendredi soir, les repas du samedi midi, du samedi soir aussi. Et comme la ressource primaire est, ce sont nos bénévoles, c'est important qu'on en prenne soin, qu'on les nourrisse bien, qu'ils soient bien encadrés au niveau des repas, au niveau de la nourriture, au niveau des breuvages. Parce qu'à quelque part, c'est beaucoup d'heures, un peu de temps. Fait que c'est important de prendre soin de ces gens-là. Fait que c'est pour ça qu'en prenant le service de l'école, ben, comme je disais, les bénévoles vont être à l'extérieur du site. Fait que vraiment, ils peuvent venir s'asseoir ici, jaser, se retirer du site. Vous savez ce que c'est, là, quand les foules commencent, souvent entre les activités, le montage de site, le démontage de site, c'est bien des heures, c'est bien des efforts. Fait qu'à un moment donné, on veut tirer, sortir. Ça devient aussi un peu comme un pôle central de rencontre. Fait qu'à quelque part, si on a besoin d'un peu plus de bénévoles, on se présente ici, puis on dit, on en identifie quelques-uns, puis tu me donnes un coup de main ponctuel ou quoi que ce soit. Moi, parce que s'ils sont déployés sur le site, des fois, tu les cherches ou quoi que ce soit, alors qu'au niveau de la cafétéria, mais si c'est le point de rencontre, bien, c'est plus facile à gérer ou à évaluer les besoins qu'on peut avoir dans le ponctuel. C'est ça. Fait que ça va être l'emplacement pour les bénévoles. Bon choix, André, au niveau de la nourriture. André, on n'est pas à peine de savoir la qualité des repas qu'on va avoir avec eux autres. Fait. Maurice, on est sur le site extérieur. Même s'il y a de la neige, dans quelques mois, ça va être la place. Peux-tu nous décrire un peu les installations qu'on imagine, tout l'espace qu'on a? Ici, à ma droite, on va avoir la scène qui va être déployée. Donc, le spectacle ça va se dérouler ici. La foule va être au niveau du stationnement. Martin va s'occuper avec son équipe de faire un périmètre clôturé. Comme on a fait l'année passée, parce que ça avait très bien été. Oui.
On a une partie de la rue qui va être non accessible et l'autre partie va être réellement pour les services d'urgence, exactement. L'année passée, c'était l'an 1. On a évidemment eu une excellente collaboration au niveau des citoyens. Nous avons évidemment nos premiers soins. Martin, on confirme encore que ça va être à l'extérieur, oui. En arrière, oui, au niveau de la partie de la piste d'exercice qui va être là. On va avoir évidemment toute notre alimentation, déploiement des camions d'alimentation, c'est ce qu'on appelle les food trucks, qui vont être encore au niveau du stationnement, soit du côté gauche, côté droit. Notre bord principal cette année va être carrément en face de la scène, séparé en deux au centre. En arrière de la régie. Pour, en arrière de la régie, dans le but d'augmenter la facilité de visibilité et avoir moins de matériel dans les côtés. Notre zone toilette va être évidemment encore dans la rue comme l'an passé, où ça a très bien été. Oui. Fait que ça fait à peu près le tour de ça. Évidemment, on a aussi encore notre ami de sécurité sud-ouest qui va nous fournir un système de caméra. Parce qu'avec le déploiement des foules aujourd'hui, c'est important de plus savoir ce qui se passe. Et l'année passée, à l'an 1, on avait mis un système de caméra qui nous permettait justement en temps réel, avec nos services d'urgence, de pouvoir observer ce qui se passait dans la foule. Que dans le cas où il y aurait eu un événement ou quoi que ce soit, on avait comme divisé en 4 les zones de terrain. Donc André Caron de Sécurité Sud-Ouest va encore faire partie d'un de nos bénévoles, mais aussi un de nos commanditaires pour alimenter le système de surveillance en temps réel. Notre poste de commandement encore conjointement avec le service de police de Châteauguay, qui dessert la municipalité, avec le service d'incendie, avec la compagnie CETAM au niveau des ambulances. Et un de nos bénévoles. Et un de nos bénévoles. C'est ça, normalement, le poste de commandement va être carrément à la caserne de pompiers. On est à finaliser les ententes avec la commission scolaire pour l'utilisation du signal Wi-Fi dans le but d'avoir en temps réel aussi là-bas les écrans. Et on a aussi un poste de commandement qui va être ici, local, avec des écrans de surveillance, puis évidemment qu'on puisse carrément évaluer nos besoins en temps réel, puis déployer nos équipes d'urgence. Puis évidemment, encore, on a encore la compagnie de M. Mamadou, qui va être là cette année. Sécurité. Le Team Sécurité qui va être là, qui ont fait une job merveilleuse l'année passée. Oui. Fait que ça résume à peu près ce qu'on avait à faire au niveau de logistique et sécurité. Martin, on s'organise encore suite aux demandes du service de sécurité de la police de Châteauguay d'avoir notre périmètre là, à l'entrée là-bas pour les autres véhicules. Avec nos jerseys de ciment. Nos jerseys et tout le kit. On va avoir encore notre stationnement réservé pour nos résidents qui ont une obstruction au niveau de leurs entrées. Et de nos bénévoles. Notre entrée principale va se situer à quelques mètres d'ici. On va avoir encore notre zone fouille avec l'admission qui va être au niveau de la billetterie, qui va être ici à proximité. Ouais. On a évidemment le périmètre qu'on va fermer comme il faut. On a encore une fois cette année la collaboration de M. Loiseau ici sur le coin qui nous permet d'aller pouvoir fermer notre périmètre au coin de son terrain privé, que ça nous facilite l'accès. L'année passée, évidemment, on a eu encore une fois une participation merveilleuse des citoyens, dont M. Santerre qui nous a donné un coup de main au niveau de l'alimentation électrique, le kit. On a le plan. Le plan de l'année passée devrait être un copier-coller. Et que les citoyens nous ont demandé de refaire la fête ici parce qu'ils ont très aimé ça. Ils ont aimé ça. Ils ont aimé avoir le spectacle carrément dans le cours. Fait que ça devrait normalement bien se passer. Évidemment, notre périmètre au niveau clôture, on clôture encore le site ici en avant pour nous permettre d'avoir un accès réellement contrôlé pour pas qu'il y ait de gens qui aillent en arrière de la scène ou quoi que ce soit. Oui. Donc, toute la portion qui est en arrière de vous autres va être clôturée. C'est non sécurisé. Non sécurisé, exactement. Où ce qu'il va y avoir aussi, évidemment, la scène, où ce qu'il y a aussi les groupes électrogènes pour l'alimentation électrique. Où ce qu'il va y avoir, évidemment, l'entrée des artistes ou de l'équipe. Donc, c'est réellement une zone qui est une zone tampon, mais qui est réellement protégée, que le public n'a pas accès. Mm.
encore une fois, cette année, au niveau du service de police, c'est M. Mario Morin qui devrait normalement être le représentant de la municipalité de Châteauguay. Au niveau du service d'incendie, encore M. Jean-Maurice Marleau qui en est le directeur. Qui nous donne un très grand coup de main aussi. Et il y aura évidemment une personne désignée de la compagnie CETAM là, lorsqu'on aura nos rencontres, là, notre table de concertation au niveau de l'événement. Mais fait que ça devrait être encore là une formalité comme on a eu l'année passée. Évidemment, encore cette année, notre exposition de véhicules. Exposition de véhicules incendie, ça, il ne faut pas l'oublier. On fait ça le samedi. Ça s'organise évidemment par notre service d'incendie, dont une de nos participants, une de nos bénévoles, qui est Mme Judith Boyer, qui s'organise à voir à tout ça, à l'élaboration de la venue de véhicules d'urgence. Non pas juste services d'incendie, mais bien véhicules d'urgence. L'année passée, on avait eu évidemment la gendarmerie royale, on a eu les services d'incendie, on a eu les services d'ambulance, police. Des polices. Donc, parents et enfants seront évidemment les bienvenus. Et ça se tiendra le samedi pendant la journée, alors qu'il y aura aussi le volet familial au niveau des spectacles aussi. Ouais. Qui est sous l'organisation de Mario Charette et de sa conjointe. L'année passée, en 4 jours, je n'ai pas vu la fête des citoyens. C'était rendu au dimanche, c'était fini, j'ai pas vu un show, je me suis amusé. Et cette année, je vais avoir Pierre-Luc Lemieux qui va m'aider bras droit et Sophie Tremblay, sécurité. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir de l'aide. Puis je suis très heureux de les avoir dans mon équipe cette année. Au niveau des gens qui regardent l'émission, vous avez le goût de vous impliquer. Vous avez des petits blocs de 4 heures de bénévolat à donner, peu importe que ce soit dans la logistique, que ce soit à l'admission, quoi que ce soit. Gênez-vous pas, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de vous accueillir parmi nous. Puis à quelque part, un jour, on espère de former de la relève. Allez sur Facebook. Allez sur le site Facebook, la fête des citoyens, le Beaufest. Puis faites-nous signe, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Avec la police, on avait un bon rendement avec la police. On avait, puis même, c'est un peu, je dirais pas un mot d'ordre qu'on avait des comités chaque année, mais ils nous demandaient de faire le plus attention possible. On voyait des gens qui étaient vraiment en boisson. On essayait de les aider, de les convaincre de tous ceux qu'on voyait. Mais c'est sûr qu'on en manquait, mais avec les policiers se promenaient, on se promenait, on était tous identifiés comme la sécurité. Regarde... Puis il a été quelques années, avec les gens que j'avais, c'était pas suffisant parce qu'il y avait trop de monde. Donc, le comité, je pense, avait engagé des gars comme le coq Monty avec sa gang. Puis là, quand tu passais de quoi, ça paraissait même pas. Il y a des gens qui se faisaient carrément, excusez l'expression, sacrés dehors, mais personne s'en apercevait. Les gens les sortaient, personne n'avait rien vu, même s'il y avait eu une petite chicane dans un coin. Il n'y a rien qui paraissait. Le gars était parti d'un bord, l'autre de l'autre bord. Puis, toute la soirée se passait. Bon, c'est sûr qu'il peut arriver des choses qu'on manque. Mais comme moi, je m'occupais une couple d'années des macarons. Puis j'ai absolument rien contre les handicapés. Le comité, il avait proposé pour que les autres fassent un peu d'argent, que les handicapés vendent des macarons. Il y avait tout le temps de personnes un peu ressources, mais des fois, il y en a qui en profitaient, ils en passaient. Tu sais, des gens, là, ça coûtait 8 piastres, je pense, les dernières années, puis ils réussissaient à passer, mais ils ne pouvaient pas tout voir. Mais une anecdote facile, mon cher ami André Laplante, qui était président, je ne me rappelle pas quelle année, je le rencontre sur le site, il était avec 2-3 gens du comité. Il dit, Réal, il dit, je viens de voir un gars, le gars, il dit, les balles, il dit, il n'y a pas de macarons. Je regarde André, j'ai dit, peux-tu savoir ce qui est le tien? Ah, ben, gars, tu me demandes de checker les autres qui n'ont pas de macarons. André, t'es président, tu l'as pas. Mais j'ai dit, ça fait partie de ta job aussi. Ça, vous êtes dans le comité, c'est envoyé un, pas de macarons. Mais à part de ça, entre les gens de sécurité, puis je sais que Richard a travaillé beaucoup avec nous autres aussi, le démontage de salles, puis tout ça. Là. Charriage de bouteilles. Ça, c'était. Puis il fallait vider justement les bars, parce que les bars, ça roulait. Puis comme Dominique disait tantôt,
À l'intérieur, quand c'était fini, ben c'était dehors. Il y avait d'autres bords dehors. Il y avait des... dans la grande tente, puis c'est vrai que c'était formidable, ça, là, c'était... Je dirais qu'ils buvaient autant de bière en un soir que... à cette heure, toute la fin de semaine. À tous les soirs. Ouais, mais tu sais, hein, on en pense. Tu regardes, c'est non, sûr non, qu'ils vont, les mêmes contextes, ils vont en parler, c'est ça, mais c'était pas le même contexte. Non, puis non, non. On avait tout de même du monde qui venait là. Là. Tu sais, comme Dominique disait, là, ça durait une dizaine de jours. Oui, ça durait du jour. Les dernières années, c'était du jour. Ça demandait beaucoup. Années. Ça demandait beaucoup. Moi, comme j'ai dit, j'ai pris 15 ans de semaine de vacances pour me donner de mon temps. Puis j'ai jamais regretté ce que j'ai fait pendant les 16 ans que j'en ai fait. On s'est fait des amis. Regarde, on a connu des gens. S'il y aurait d'autres gens, on aurait pu rejoindre, surtout des gens comme Sylvain Montpetit et tout ça. Là, ouais. On aurait. Mais en général, ça allait bien. J'ai jamais vu vraiment de gros accrochages. Puis je pense que les ententes avec les dirigeants des comités puis les autres sous-groupes. Je pense que c'est pour ça que la fête a eu des succès pendant tant d'années que ça. Ouais, environ 18 ans, je pense, la ouais. Première série. Puis, bon, on va dire, comme je disais tantôt avec Robert Billette, quand ça a fini en 94, tu sais, même nous autres, là, je veux dire, on vieillissait aussi. Il y a eu un essoufflement, de ça c'est mon idée, de bénévoles, parce que les 5-6 dernières années, là, Mario, tu as témoigné aussi, ça a été tout le temps les mêmes qui ont été là. Tu sais, mon frère a été deux fois président en 3 ans. Puis, tu sais, Sylvie Marchand qui était avec nous autres, là, était une année là-dedans. Fait que, tu sais, c'était tout le temps les mêmes qui se pitchaient à la porte, changeaient de place, là, mais on était là. Fait que je pense qu'il y a eu une raison que ça allait arrêter, là, pas seulement celle-là, mais ça a été aussi un peu d'essoufflement de tout le temps la même gang de bénévoles. C'est ça. Puis, tu avais des responsables qui étaient en charge de tel groupe, tel groupe, tel groupe. Tu sais, ils disaient, bon, bien, l'année prochaine. Ça va bien, oui. Je vais lâcher, je vais modérer. Puis, t'allais leur voir où ils venaient nous voir. Bon, on va te donner encore un an. On va te donner encore un an. Mais ça va bien dire ça, tu sais, aujourd'hui, parce que ça fait longtemps, mais le monde venait nous féliciter, fait un bel job, fait un bel job. Mais quand t'allais chercher ou tu voulais aller chercher, pas le temps, moi, tu sais, c'est pas. T'sais. Parce que je pense pas, moi, qu'à Beauharnois, il n'y a personne dans le groupe qu'on a été pendant 16 ou 18 ans. Là. Excusez. Puis ça a été pas mal les mêmes gens qui ont été là régulièrement à partir des présidents, aller jusqu'aux bénévoles. Je pense pas que les gens voulaient que ça lâche. Mais non. Comme Richard dit, il m'a donné l'épuisement, là, ça a bossé. C'est des 15 jours intensifs, mais il y a tout le temps de quoi avant puis après, ouais, être sûr que tout est fait. Puis les gens venaient à bout de nous dire « Ah, vous êtes chanceux, vous avez votre macaron gratuit. » Ça, c'est ça, je l'ai entendu souvent, celle-là. Ouais, des mauvais coups, ouais. Mettons une coupe de mauvais coups. Juste de que ce soit vous autres ouais. Ou d'autres que vous avez vus, ou mais, peu importe, ça soit Je vais en raconter un, puis tu me corrigeras, je me trompe. Dans la gang de bénévoles qui travaillaient plus manuellement sur le site, sur le terrain, c'est sûr que dans ce temps-là, on marchait beaucoup avec... c'était la bière qui était notre paye, tu sais. Fait qu'il fallait avoir une caisse de bière ou deux froides disponibles tout le temps. Puis, ou toi, ouais. deux Mario. Puis, un moment donné, là, une journée, il n'y avait pas de frigidaire ouvert, tout était barré. Fait que, il avait pris les tournevis, puis on avait tout démonté le devant du frigidaire. Avant, on avait demandé la clé à quelqu'un. Okay. Nous avait dit okay, bon, oui. Je vais aller au bureau en haut, je vais aller chercher. Bon, ça fait une heure qu'on attend la clé. Fait que, j'ai dit à Sylvain, dit, tu fais là. Prends un drill, mets la tête carrée, devisse la porte, sort deux caisses de bière, visse la porte. Là, il a passé quelqu'un, on est en break. Un autre, peut-être, un des grands chums à Sylvain, pas mon petit, il travaillait avec... Yvan Duranceau. Il m'a donné, il est à peu près... on achevait de monter la scène, il était à peu près 5h30, 6h, il fallait que ça soit prêt pour 7h. Il m'a donné, je vais rentrer dans la petite chambre là, qu'il y avait, la première petite chambre, parce que le patin artistique était, là, d'habitude. Ouais. Là. Mais ça nous appartenait pour la fin de semaine. Ben, il m'a donné, je vais aller me reposer un peu. Fait que là, il rentre là avec deux petites bières, puis j'ai dit à Sylvain, il dit, tu vois quel calnard, il dit, il va se reposer jusqu'à minuit. Et bon rapport, le monde passait le passage, il entendait cogner, mais il n'y avait pas de clé, il essayait d'ouvrir le crochet. Il dit, il y a quelqu'un qui est pris dans la chambre numéro 1, mais on ne sait pas c'est qui. Fait qu'à 8h, on est allé le sortir, puis là, il dit, je me suis reposé, mais j'aurais aimé ça avoir deux bières de plus.
Mais regarde, on a eu des petites anecdotes de même entre nous autres. Là, regarde, c'était plus funny que... Puis les gens essayaient de jouer des petits tours de même. Des fois, t'es rendu dans l'escabeau, ben, tu sais, tu pouvais pas avoir d'échelle douette, mais des fois, ils avaient l'escabeau là, de 12 pieds. Là, tu étais rendu en haut, puis là, ils faisaient juste monter de marche, puis... Là, voyons, tu vas-tu me donner le morceau que j'ai besoin là, pour imposer le fil, gay là? Mais tout le temps des petits niaisages de même, mais rien d'assez pour que les gens choquent et disent bon, ben là, j'ai fini de travailler avec toi. Puis, ben, en général, en tout cas, moi, j'ai aimé les 16 ans que j'ai été là, puis les 18 ans que j'ai participé, comme Richard disait. J'ai adoré ça.